Salut André. Sweetie. Je vous ramène avec ta pine. Non, on préfère marcher. C'est bon pour nos fesses. Hé, hey, viens-toi bientôt. Je suis très occupée en ce moment. Quelle énergie. Ah, ça. T'as compris ce qu'il a dit? Un peu, par déduction. C'est un chasseur. J'aime pas les chasseurs, mais putain, quel bon coup. La première fois qu'il m'a parlé, c'était dans un bal. J'ai cru que je comprenais rien à cause de la musique et du bruit de la buvette. Bon, j'étais un peu faite, hein, faut dire. Je l'ai entraîné à l'écart dans une ruelle plus calme. Là, pareil, je comprenais un mot sur 10. Ce qui est sûr, c'est qu'il me faisait un putain d'effet. Il l'a vu, il voit tout. Il m'a pris par la taille, j'ai senti la poigne. Il souriait comme un gamin. Il s'est mis à me caresser les seins. Pas brutal. Mais ferme. Il s'est collé à moi. Et là, j'ai senti le machin, la vache. Il avait une sorte de bermuda en toile sans rien dessous, le salaud. Tu vois le truc? Là, je me suis dit, toi, tu vas pas me sauter là, debout, à la va-vite, dans cette ruelle sombre. J'ai passé l'âge. Il est allé chez moi avec son camion. Il conduit comme un fou. Super bien, mais comme un dingue. Et au lit, pareil. Il a une belle bite comme j'aime. Une bite de bande dessinée, tu vois? J'imagine. Puis il est content quand il baise. Il maîtrise et en même temps il prend son pied. Tout avec la bite, pas de chichi. De toute façon, je mouillais depuis un bon moment. Il a pris le bon rythme, tout de suite, pas besoin de parler. Il assurait à mort alors qu'il avait picolé, je te dis pas. Il était aux anges, moi je savais plus où j'étais. Je sais pas depuis combien de temps il m'aimait la chatte. C'était super bon. Je sentais bien en moi, profond, tout à coup. Il s'arrête, il me retourne, d'un geste, il a une force et il me sodomise. Il a pas demandé, c'était pas la peine, il le savait. Pas de contretemps. Et là, putain, sentir battre ses couilles contre ma chatte, j'ai tout lâché, lui pareil. Et crac, on s'est retrouvés par terre, le lit n'existait plus, tout pété, en vrac, moi pareil. Ah, le lendemain, j'avais des saoulés, mais je comprenais toujours moins ce qu'il disait. Et j'avais qu'une envie, recommencer. Putain, ça a duré quelques semaines, je devenais dingue, totalement accro. Mais bon, ça menait où? Ah, c'est de la drogue dure. Je veux plus le voir. Je me retiens, je t'assure. Eh oh, tu pars ici, tu viens ?